Alors, moi, je suis opticien, optométriste et lunetier d'art. Je réalise sur mesure des montures dans des matériaux nobles. L'argent, l'écaille, la corne, l'or, les pierres précieuses, tout ce qui peut se présenter qui est noble. Je suis né à Alençon. Voilà. Je suis parti donc à Paris faire mes études. Et je suis naturellement revenu à Alençon parce que je me sens chez moi à Alençon, tout simplement. Donc l'évidence pour mon installation était là. En très peu de temps, on est à Paris. Je vois par exemple tous les lundis, je vais donner des cours dans une école d'optique et de lunetterie à des opticiens déjà diplômés qui viennent apprendre la lunetterie d'art donc à Paris. C'est très facile d'y aller. C'est fa très facile de transmettre sa passion. Je dirais qu'Alençon, c'est Paris sans ses inconvénients. Les perspectives de développement de mon entreprise sont assez concrètes. J'ai un objectif de créer ma collection et de la distribuer. Donc, je veux passer maintenant à une étape un peu plus industrielle, un peu plus à grande échelle pour proposer aux opticiens un design différent de lunettes, une approche différente de la lunetterie. C'est pouvoir me déplacer sans forcément prendre la voiture ou le bus ou le vélo, voilà. Aller faire mon cours de Qigong, aller voir une exposition, un métier d'art, voilà, faire mes courses en centre-ville. Je peux aller, voilà, à droite, à gauche, facilement. En 10 minutes, allez, on est partout. En général, je leur fais pas découvrir un endroit, mais plusieurs endroits, que ce soit les promenades, la roseraie, le jardin, voilà, le jardin d'Auzé. C'est aussi bien la place de la Basilique, c'est aussi bien la rue piétonne, c'est aussi bien la Loblé. Alençon a vraiment une grande richesse. J'aime bien tous ces endroits-là. Il y a plusieurs photos qui me plaisent beaucoup. Celle de la basilique en nocturne, certainement pendant les fêtes de Noël. C'est un moment qui est un peu magique, un peu féerique, un peu avec de la lumière. Ça me plaît beaucoup. La sérénité, l'intensité créatrice et un autre mot qui fait la liaison entre les deux, le Qigong, qui me permet de faire un beau petit mélange. Alençon Plastique est une société de transformation par injection des matières thermoplastiques. Le but est de transformer par rapport à une matière de base qui est une résine sous forme de granulés et on la transforme dans des températures de fusion, d'injection, dans des outillages qui seront eux spécifiques à chacun des produits que nous confient nos clients. Donc par exemple, si on veut prendre la pièce la plus petite de notre site, nous transformons des pièces qui font 0,10 g. Ce sont des pièces qui sont intégrées dans des roulements aiguilles qui sont positionnés sur des colonnes de direction de voitures et donc qui équipent à peu près un tiers des véhicules dans le monde par le biais de nos clients. L'ancien président créateur d'entreprise était alençonnais.
à l'ensemble également un pôle plasturgie, donc c'est très important pour notre métier. Hein. Il faut vraiment avoir des organismes qui puissent nous aider dans nos développements, dans notre recherche. Mais Alençon est vraiment reconnu avec l'ISPA, à la fois pour sa formation et pour tout ce qui est recherche et développement. Alors localement, on peut travailler effectivement avec des sociétés d'Alençon. Donc historiquement, nous avons certaines sociétés, pour ne pas les citer, Vedalab, Becquet, Adiamix, qui sont des sites alençonnais et avec qui nous travaillons énormément. L'entreprise va fêter ses 30 ans l'année prochaine et ce sont des clients historiques. Avec un produit propre, on peut alimenter plusieurs sites clients en Europe. On a le cas par exemple sur l'automobile, alimenter donc la France, on alimente la Roumanie, l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne. Et notre projet donc sur du très court terme est de construire une nouvelle usine sur Alençon bien entendu, de 6 500 m² qui pourra donc nous permettre d'avoir et la place, tout réintégrer, donc en termes de productivité, de flux et de rentabilité, il y aura certainement mieux de pouvoir nous accroître. Nous sommes accompagnés par tous les services de la CUA, puisqu'on a une recherche de terrain, de nouveaux terrains. Ils sont effectivement, comme nous, en attente de la décision finale de notre PDG. Bah, le midi, moi, je suis très heureuse de pouvoir faire une coupure et de rentrer à la maison. Je déjeune chez moi, donc je trouve que c'est un privilège aujourd'hui. C'est vraiment la proximité, quoi. Alençon, à proximité de chez moi. Voilà. J'aime aller à la Loblé pour des expositions de peinture, par exemple. Je trouve que c'est un lieu magique qui s'y prête. Il y a de la rondeur, il y a de la lumière qui arrive donc par cette magnifique coupole de verre. C'est un peu le point d'ancrage. Je dirais terroir, monument, pour les beaux monuments que nous avons sur Alençon, et ville à la campagne. Donc je dirais la Halle au Blé, puisque c'est un endroit où je me sens bien, et où j'y rencontre généralement beaucoup d'amis. Voilà. C'est ça. Nous sommes fabricants de crêpes et galettes ultra fraîches, donc des crêpes au froment, des galettes au blé noir, farine de blé noir, installées depuis 2015 à Alençon. J'ai passé quelques années dans un cabinet d'audit et de commissariat aux comptes, puis comme directeur financier dans un groupe agroalimentaire, groupe dans lequel j'ai rencontré Jean-Yves. Et au bout d'une quinzaine d'années, moi j'ai décidé de faire autre chose et poser la question à Jean-Yves si ça l'intéressait. Et comme on a eu la même idée en même temps, voilà où on en est aujourd'hui. Notre entreprise de départ, c'est la Bretagne. On commençait à vendre des produits en Basse-Normandie. On brûlait beaucoup de gasoil et on s'est dit il vaut mieux être au cœur d'un territoire et distribuer les produits avec beaucoup plus de réactivité, de service et au final de fraîcheur. C'est vrai que l'accompagnement qu'on a eu de tous les acteurs économiques d'Alençon nous ont bien aidés, nous ont fait gagner énormément de temps et on a fini par trouver une solution dans le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui qui appartenait auparavant à la mairie, donc qui a elle aussi contribué à nous aider à faire en sorte que le projet puisse se réaliser. C'est un vrai nœud logistique intéressant qui permet à nos livreurs de partir tôt le matin sans encombre, l'axe nord-sud, ouest-est, et d'y revenir aussi facilement.
moi, je dirais dynamique. C'est une ville qui se relance et en fait, il y a une vraie combativité, une vraie ténacité des acteurs locaux pour le faire. Moi, j'ai choisi celle-là, Alençon Plage. On a trouvé ça super intéressant. Et voilà, on leur a dit, nous, on vous suit dans cette aventure-là et on a fourni des crêpes et des galettes. Et ça témoigne aussi du dynamisme de la ville et d'une initiative très originale. En fait, c'est un petit clin d'œil historique puisque j'ai vécu dans une de ces tours-là de mon très jeune âge jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc bon, il y a sans doute une petite parcelle de ça qui fait qu'on est aujourd'hui à Alençon, même si ce n'est pas du tout ce qui a décidé la création de l'usine ici. Mais bon, ça a sans doute inconsciemment contribué un petit peu à notre implantation ici. Miroir, c'est 3 sites en France. Nous sommes transformateurs de verre plat et nous sommes spécialisés dans la décoration intérieure. Et puis au fur et à mesure des années, donc on s'est diversifié en proposant tout type de produits verriers, de l'habillage mural. Donc l'habillage mural, c'est un principe qui consiste justement à coller des plaques de verre colorées ou avec de l'impression numérique dessus, directement sur les murs. Alençon, j'irais, a été l'opportunité puisqu'il y avait des terrains et que Monsieur Bénézé, donc qui est le gérant de la société, souhaitait faire construire un bâtiment dédié. Et puis, il y a quand même l'axe de la 28 qui nous permet aujourd'hui de cibler des zones de chalandise qui sont faciles d'accès. On est quand même à 2 heures de Paris. On est, je dirais, sur un axe qui peut desservir à la fois le Grand Ouest et puis une partie, je dirais, des Pays de la Loire. Donc voilà, c'était très intéressant à ce niveau-là. Effectivement, là, nous sommes situés sur la zone d'Arsonnet, donc, qui fait partie du département de la Sarthe. Mais cette zone d'activité fait également partie de la CUA, donc la communauté urbaine d'Alençon. Donc à ce titre, on a été à la fois accompagnés par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et à la fois par le Conseil général de la Sarthe qui ont travaillé conjointement pour nous aider à nous implanter sur le territoire. Nous avons décidé de proposer de nouveaux produits qui ont nécessité des investissements, bien évidemment, au niveau de nos installations. Et pour ce faire, il nous fallait une extension de bâtiment de manière à pouvoir installer ces nouvelles machines dans un environnement et un contexte qui est dédié. Donc, nous avons réalisé cette extension sur 2015 de manière à pouvoir proposer le laquage sur verre et l'impression numérique. Vous êtes à la fois dans un environnement urbain, entre guillemets, et puis vous avez quand même la campagne à portée de main, donc sans les contraintes des trajets, les contraintes de temps ou autres, donc c'est vrai que c'est agréable. Donc de profiter de la campagne, la forêt, vous avez les marchés quand même en centre-ville la semaine et puis donc le week-end plutôt. Vous avez des animations au niveau musical qui sont quand même intéressantes. Vous voyez par exemple sur cette photo, il s'agit du Parc des Promenades, un endroit incontournable d'Alençon. Les familles s'y retrouvent, les jeunes s'y regroupent après les cours. Et puis vous avez régulièrement des animations qui sont organisées en fonction des saisons. Je trouve que c'est assez représentatif de l'état d'esprit convivial d'Alençon. Eh bien Alençon pour moi en 3 mots, réseau, terroir et convivialité. Thank you.